Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et en fait j'oublie de vlogger. Et là j'étais en train de faire des vlogs et je me suis dit putain mais faut que je filme aussi donc j'oublie de vlogger. Aujourd'hui on est un nouveau jour et il s'est passé plein de trucs. Je suis en surexcitation du cerveau, tu sais que moi je suis dans ce moment là. En gros je me suis réveillée ce matin, très tôt, et j'ai finalisé mon projet. Je dois le tester maintenant. Il y a du recul, il y a du délai dans mes vidéos. C'est mon projet qui concerne le partage, la vente des bijoux brésiliens, des bijoux créés par des gens dans la rue et la vente des maillots de bain brésiliens. Alors là, je fais juste une pause parce que je me rends compte que tout le monde ne connaît pas ce projet. Je ne vais pas l'expliquer parce que c'est long, mais c'est un projet que j'ai mis en place avec les gens d'Instagram. C'est un projet qui est super et qui me tient beaucoup à cœur. Certainement que j'en ferai une vidéo, mais maintenant il est terminé depuis un moment. C'était un projet éphémère. Si jamais ça t'intéresse, sur Instagram, tu vas dans ma story et dans les petites bulles là où on retrouve les anciennes stories. Il y en a une qui s'appelle Boutique éphémère et puis dessus, tu peux suivre le projet. Et sinon, peut-être que j'en parlerai parce que c'était quand même une bonne expérience. Voilà, voilà. Bisous. Donc, ce matin, j'ai finalisé mes projets. J'ai vu exactement ce que je voulais vendre, le budget que je voulais investir dans ce projet pour une première fois, ce que ça allait, la marge que j'allais faire. J'ai calculé ce que j'allais verser à mon frère, ce qu'allait me coûter les différents aspects du projet, enfin toute la partie financière, ça s'est fait. J'ai décidé des produits que je voulais proposer, donc ça s'est fait. Du coup, cette semaine, je vais aller les acheter. J'ai décidé de proposer entre 70 et 100 produits pour le premier mois et je vais voir comment ça marche et je vais faire que des ventes éphémères et ça va être genre, voilà, peut-être ça a changé depuis hein, parce que je sais pas quand tu verras cette vidéo, mais mon idée c'est de faire genre un jour juste 10 bracelets ou 10 colliers ou 10 machins d'une seule personne et voilà, les 10 premières personnes qui arrivent c'est pour elles et les autres bah, devront attendre le lendemain pour trouver d'autres produits, voilà l'idée. Et l'idée aussi c'est que chaque produit que je crée ils disparaissent une fois qu'il a été vendu pour pas créer de pollution numérique. Ça, c'est mon idée. Donc, j'ai travaillé sur ça. Après, aujourd'hui aussi, j'ai calculé un peu quelles étaient toutes mes charges ici au Brésil, qu'est-ce que je gagnais dans ma vie, tout ça, tout ça. Enfin, j'ai fait plein de calculs. J'ai calculé aussi ce que je gagnais en étant vie, tout ça, donc pour pouvoir organiser un petit peu ma vie. Et c'était intéressant parce qu'en fait, je viens un peu au jour le jour et j'organise pas grand-chose, notamment pour les questions d'argent. Donc c'était très bien d'un peu m'organiser, voilà, c'était chouette. Après j'ai un peu joué, du saxophone. D'ailleurs je vais rejouer maintenant. Et ensuite je vais programmer mes vidéos de la semaine prochaine, peut-être monter une ou deux. Et ensuite je vais commencer à faire mon site. Bref, je sais pas si vous voyez, je vais mettre la caméra là. Et je voudrais juste jouer deux morceaux, et on va voir si je me suis améliorée. La journée est passée super vite. En fait, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et je sais pas si tu te souviens sur Instagram, j'avais créé un site internet qui s'appelle. Enfin, j'avais dit que je créais un site internet qui s'appelait Mon Bikini Brésilien. Et en fait, ça correspondait plus trop au projet, donc j'aimais plus trop le nom, machin. Et puis après, j'ai réalisé que tout simplement, mon site internet Brésil Mon Amour, il suffisait largement et que j'avais juste à rajouter une boutique en ligne au site. Et alors, c'est marrant parce que la première fois que j'ai créé une boutique en ligne, c'était quand j'avais 20 ans. J'en ai 34. J'avais 22 ans. C'était il y a 12 ans. 12 ans en arrière et j'ai pas retouché une boutique en ligne sur internet depuis 12 ans et là je viens de créer la boutique et j'ai le premier produit test que j'ai mis dans ma boutique qui est là. Je suis trop heureuse, c'est juste un test en fait. Là je suis en train de créer la page type, voilà, c'est très très basique, très très simple. En fait j'ai envie d'un truc ultra basique et je pense que ça va le faire. Ça va être vraiment chouette. Voilà, bon, je suis contente. Je continue à travailler et ensuite bloco. Attends. Là, peut-être tu vas me voir, mais je ne sais pas parce que j'ai pas de retour caméra. On est la nuit. Et en fait, tout à l'heure, j'ai fait que travailler et après, j'étais à la danse.
Et en fait, on a fait notre classe de danse dans un parc, parce qu'on a répété avec les musiciens. C'était vachement bien et intense, parce qu'en fait, on a appris une nouvelle chorégraphie. Et on l'a appris un peu la semaine dernière. Et là, on l'a retravaillé cette semaine, mais on a appris la chorégraphie complète. Et c'était intense, parce que les Brésiliens viennent. Elles ont appris les chorés en 2-2, et moi, en 3-3, je crois. Ça n'existe pas. Du coup, c'était un peu difficile. Il y a ma coach surface qui a filmé. Franchement, si je trouve les images, je te les envoie. Je suis ridicule. Et te moque pas, je connais pas la cour et je venais juste là pour d'accord. Et franchement, les Brésiliens, elles savent trop bien bouger leur petit cul, là, bouger leur corps. Moi, voilà quoi. Bref, j'ai fait ça. Et ensuite, on a été dans un bar. En fait, c'est un bar qui est au pied des grands escaliers très connus de Rio. Et c'est marrant parce que ce bar, la journée, il est ultra touristique et le soir, il est ultra pas touristique. Et moi, j'ai l'habitude d'aller là-bas le mercredi, après mon cours de danse, c'est parce que tous les musiciens et les danseurs vont là-bas. Et on reste ensemble, on boit des bières. Moi, je bois de l'eau, la vérité. Je bois même pas d'eau là-bas, j'achète rien. Si, j'achète du manger. Moi, j'ai l'habitude d'acheter une portion avec 5 pastels. C'est des pastels. Mais ici on dit pastel, des queijo, donc de fromage. Et en fait, c'est trop marrant parce que dans ce bar, il y a plein de salgado, donc c'est des petits trucs salés qu'on peut acheter. Tu achètes tes trucs, tu les mets dans une assiette, tu peux prendre, ben, comme moi, des pastels, tu peux prendre de la soupe, tu peux prendre plein de trucs et tu le manges dans la rue. Donc tu peux prendre ton bol de soupe, le manger dans la rue, des trucs, et tu peux commander. Il y a des gâteaux, il y a plein de trucs. Et en fait, ils ne notent pas ce que tu prends. Et ça va être. J'ai mal ces choses que j'ai. Et ça va être genre à la fin, c'est toi qui vas les payer et c'est toi qui vas dire combien t'as pris de trucs. Et ici au Brésil, ça marche beaucoup à la confiance en fait. Les commerçants ont pas peur que tu les arnaques parce que je crois que les gens n'arnaquent pas les commerçants, contrairement à nous la France où dès qu'on peut un peu trichouiller ou voler, on le fait. Nous les Français, on aime les petits larcins, les petits trucs. Ici non. Et du coup, voilà. Et du coup, tous les mercredis, je vais là-bas, je prends ma petite portion et généralement, je mange dans la rue. Et en fait, je suis pote avec un jeune qui travaille dans la rue et un monsieur qui dort dans la rue. Et je m'assois avec eux et on mange. Et c'est trop bien. Voilà ce que je voulais dire. J'ai une chanson dans la tête. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai comme un... Pourquoi je pense à ça? Non, je te survivrai. Je te survivrai. Ding, 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 ding. Na, 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 na. Bon, voilà. Bref, là, il est minuit et je suis en train de faire des vidéos. Ma maison est pleine parce qu'en fait, j'ai un couple qui vit chez moi depuis 2 semaines. C'est des coachs surfeurs qui devaient rester 3 jours, mais en fait comme je les ai aimés, du coup ils sont restés 2 semaines. Il y a une coach surfeuse qui est arrivée, c'est une brésilienne super belle, toute jeune de 20 ans, qui vient ici pour un festival de danse d'une samba que je connais absolument pas. C'est un délire que je connais pas du tout. Et elle est toute mignonne, toute gentille. Elle nous a ramené un beau cadeau que je montrerai dans une prochaine vidéo. Et il y a un Norvégien chez moi, beaucoup de monde, et à Sandra. La maison est pleine. Quoi qu'il en soit, je monte des vidéos et puis si je trouve des nouvelles choses à te dire, je te finis cette vidéo plus tard et si je trouve pas, et ben ce sera la fin de cette vidéo dans laquelle il y aura eu beaucoup de paroles et peu d'images. C'est comme si on était des potes, hein. Des fois on discute, des fois on discute pas, c'est comme ça. Déjà, quand t'as des potes, et ben tu peux rester avec eux à la maison, parler toute la journée sans qu'il se passe quoi que ce soit et c'est chouette. Ben voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est trop bon.
trop beau quoi. Et donc sa passion dans la vie, c'est faire des bûches pour les enfants et pour les gens. Et moi, j'ai... Du soleil est magnifique. Il est 6h30, je me suis réveillée à 6h avec ce soleil qui est rentré dans la maison. Il allait faire un petit déj. À tout. Hey, coucou de nouveau. Alors là, on est en train de s'organiser dans la maison. Il y a le groupe des Français qui vont partir à la plage et qui va et elle va être en culotte sur YouTube. Là-bas, on a le Norvégien qui va partir, qui va rentrer en Norvège tout à l'heure. Il y a une Brésilienne qui domine la Gérald, qui fait la douche là, qui va aller à la plage avec les Français qui sont là. Nana! Pam, 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 pam. Alors moi, je vais aller acheter les bijoux et les maillots aujourd'hui. Et après, je rentre à la maison pour les mettre en ligne et pour commencer. Hey, là, je suis de retour aux escaliers, c'est la rue que t'avais vu dans plein de vidéos. C'est juste pour te montrer et je vais voir mon pote qui travaille dans la rue. Je t'amène. Oi, bon, je fais une autre pause pour te dire que là, il va y avoir des images avec les personnes qui fabriquent les bijoux de ma boutique éphémère qui n'existe plus ou peut-être qui existe, mais il n'y a rien dedans. Ou peut-être qu'il y a des trucs dedans, haha, faut regarder sur mon Instagram. Le suspense, c'est la meuf qui... Non, mais en fait, je dis ça parce que là, je suis en train de fabriquer des nouveaux trucs. Et j'en ai parlé sur Instagram, mais c'est moi qui les fabrique cette fois-ci. Et je vais acheter des nouveaux trucs pour Gerson. Bref, je voulais te dire, c'est un passage en portugais. S'il y avait une personne généreuse qui voulait bien traduire ce passage en français, ce serait merveilleux. Donc, comme il y aura sûrement une personne généreuse, je te conseille d'activer les sous-titres pour comprendre tout ce qui se dit et tout ce que disent ces belles personnes que j'ai rencontrées et qui font partie de mon beau projet. Voilà, voilà, je te fais des gros, gros, gros bisous et je te dis à tout à l'heure, je ferai un nouvel insert. Oi, amigo! Ai, quand est-ce que c'est nossa guanta? Aquela nossa antiga guanta? Tá, fica com ele. Ai, tem um, ai, agora que eu me lembro, ele tem um outro lá que é assim. A primeira questão é, quem você? Depende muito. Depende de você. E você quer saber quem é você? É, na verdade, eu sou uma pessoa que recíproco. Eu sou o reflexo do que você vai ser comigo. Que? Eu sou recíproco. Então, ah, sim, entendi. Eu sou simplesmente o reflexo. Aham. Mas eu preciso saber agora quem é você. Agora na, no presente, de agora. É, eu me chamo Namã e eu viajo para dentro todo com esse trabalho que se chama Tecnologia Alienígena. Ele é tudo feito pela minha mão e o meu trabalho ele é pró-civilizatório, é movido a civilizações perdidas no tempo, Celta, Atlântico, Inca, Maia, Egípcio, Babilônia. E cada matéria-prima dessa vem de um estado diferenciado do meu país, do Brasil. E particularmente cada uma delas simboliza um signo, um elemento da natureza, uma constelação e uma energia. Uhum. E como eu estava falando, cada uma vem de um estado diferente desse país que estamos agora. E particularmente se chama tecnologia dos alienígenas. Isso é só alguma coisa do meu trabalho. Então, da minha vida eu não tenho muita coisa pra falar. Uma segunda questão. Para você, que é a felicidade? A definição da felicidade. Também depende muito. Agora. Está bem consigo mesmo. Você bem, mas o que é a felicidade para você? Algo que não existe. Não existe a felicidade? Por quê? Porque é algo que... Você nunca alcança a felicidade por completo, cara. Uhum. Você pode ter o dinheiro que você quiser. Uhum. Você vai estar infeliz porque você tem tudo, porém você vai ter a ganância ao seu derredor, porque alguém vai querer tomar o seu dinheiro. Se você não tem dinheiro, você vai ter fome. A fome vai doer mais do que apanhar. E se você tiver... Se você for trabalhador, se você correr atrás todos os dias para ter seu conforto, sempre vai ter alguém que vai querer te pisar e te tirar do lugar que você já está. Uhum. Por não querer estar de um lado nem do outro. Porque muitas das vezes as pessoas já nascem num berço de uma família com dinheiro e acaba largando tudo porque não quer aquela vida e vai viver uma vida mais simples. E acaba
vivendo, tendo que trabalhar, e nessa questão do trabalho sempre vai ter alguém que, para poder crescer, vai pisar em você. Então acredito que a felicidade é aquele bagulho que é recíproco, então tudo é reflexo. Você está bem com você mesmo, então você transparece isso para mim, então automaticamente a sua energia já me deixa feliz. Então troca de energia é mais viável do que qualquer outra coisa. Obrigada, amigo. Chato, né? Não. Oi. Olá, meu nome é Rodrigo. Aham. Esse trabalho é uma malha peruana, um trabalho bem medieval, dos tempos antigos, que eles faziam aquela... um revestimento antes da armadura, que era nesse tipo de trabalho. Aí eu tenho uma inspiração um pouco mais com as pessoas antigas, com os seus antepassados, para passar um pouco da atualidade com o que é antigo, para mesclar tudo e poder reviver um pouco da nossa história através da nossa arte. E por que você falou que essa é uma terapia, esse trabalho maluco? Porque descobrindo, fazendo e aprendendo novas coisas, eu me acalmo automaticamente, me mantenho melhor da forma que eu vivo. Ah, que legal. Obrigada. E na sua vida, esse é o único trabalho ou você faz uma outra coisa? Sim, é meu único trabalho. Você não vai na escola, como meu amigo? Eu já estudei. Estudei quê? Gastronomia. Gastronomia, sim. Que legal. Só você pode fabricar bijutaria e cozinhar. Que bom. Ainda sou melhor na cozinha do que... Não, acho que... Ah, se você é melhor, você cozinha muito bem. É, posso me garantir. É mais um dom. Isso? Ah, ele está cansado, está ventando muito. Uma outra pergunta. Para você, o que é a felicidade? A definição da felicidade. Felicidade é estarmos bem com nós mesmos e poder transmitir isso para as outras pessoas, independente se temos tudo ou não. Felicidade é o estado de ser, não o estado de ter. Você apenas tem que ser feliz, querer ser feliz, buscar felicidade. Obrigada, amigo. Alors, je fais juste un petit insert ici pour dire, les deux personnes que tu as vues là, pas celui que tu vas voir maintenant et celui que tu vas voir après, c'est des gens qui travaillent dans la rue. Et celui que tu vas voir maintenant, qui est mon chouchou, qui s'appelle Gerson, et Gerson, il vit dans la rue, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui lui ont acheté des bijoux via ma boutique éphémère et via mon projet, que vous l'aidez énormément parce que, en plus de lui acheter des bijoux, moi, je continue à l'aider, en fait. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Vraiment, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine pour lui parce que pour la troisième fois, depuis 2 mois, il s'est fait voler toutes ses affaires. Et là, il s'est fait voler son sac à dos complet. Et il a absolument tout perdu. Donc demain, je vais aller l'aider. Et ce sera en très grande partie grâce à vous. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous. Et je suis très heureuse de vous présenter Gerson, même pour ceux qui ne comprennent pas le portugais. Mais activez les sous-titres, on ne sait jamais. D'accord ? Beijo, beijo. À tout. Qui vous êtes ? Mon nom est Gerson. Meu nome é Gerson, sou artesão desde a década de 80 que eu trabalho. Comecei depois de me formar. Olá! Bom dia, crianças! Sobreviventes! Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem? Aí comecei, me formei, fui funcionário da Petrobras, só que não era feliz. Então eu fui ser feliz. Viver de artesanato, de música, conhecer um pouco do país também. Como brasileiro que sou apaixonado pelo Brasil, né? Uhum. O que você mais quer saber? Eu quero saber para você o que é a felicidade. O que é a felicidade? Aham. A felicidade é isso agora. Estar com uma pessoa agradável, conversando, fazendo meu trabalho. Isso é felicidade. Obrigada, amigo. Então, lá, on est dans la finalisation de ce collier. Madre Teresa de Calcutá. Ah, mas não vai publicar o vídeo, é só para você lembrar e a história. Sim. Que você escreve. Talvez eu vou publicar também, eu sou youtuber. Oi. Desculpa. Oi.
então um vídeo Mas curto. Se você não quer, eu não vou. Não, é um vídeo curto? Sim. Aí você vai fazer o quê? Perguntas? Sim, eu quero saber quem você é. Tá bom. Aí você faz as perguntas. Quem você é? Minha pergunta. Tá, pode fazer. Meu nome é Isaac Diniz, sou grafiteiro. Comecei a grafitar em 98 aproximadamente. E eu dava oficinas de grafite em alguns lugares. E eu vim começar a trabalhar com esse aqui. Foi uma descoberta há pouco tempo. Depois de eu ficar desempregado, começar a trabalhar numa marcenaria. E lá tinha os pedaços de madeira que eu pedaços de madeira e comecei a fazer algumas coisas, alguns trabalhos e vai pro exodismo. Sim. Vários tipos de trabalho, tanto quadro como trabalho alto relevo. Isso aí tem sido o sustento da minha família, né? Que eu tenho três filhos e... Sim, três? Sou casada há 16 anos. Tenho 20 anos já de convivência com ela, mas casada há 16 anos. Uhum. Minhas filhas também pintam, faz grafite também. Tem surgido alguns efeitos bons pra mim. Quê? Tem surgido alguns efeitos bons. Sim. Eu comecei só pra, como um sustento, né? Sim. Só pra sustentar, mas alguns trabalhos que eu tenho em casa, as pessoas têm gostado e têm me colocado pra expor em algum lugar os trabalhos. Eu tô dando continuidade isso aí, eu creio que lá na frente pode render bons frutos. Que bom. Agora eu quero saber pra você que é a felicidade. A definição da felicidade. A definição da felicidade? Na verdade eu não sei a definição da felicidade. Qual você? Eu sei o que eu acho da felicidade. Aham. Porque, vamos lá. Quando a gente fala de aniversário, uma pessoa aniversariando, sempre te fala, não, feliz aniversário e feliz Natal, feliz ano novo, mas sempre algo passageiro. Eu creio dessa maneira, sempre algo passageiro. Não. Feliz aniversário, passou, só o próximo ano. E eu acho mais legal a alegria, né? Que a alegria, ela é constante. Sim. A alegria, ela é contagiante. Então, eu acho é bem passageiro, porque as pessoas falam, ah, eu sou feliz, tá bom, mas será que é feliz constantemente? Será que é constante? Nem sempre, então eu acho bacana a alegria, que é constante, que é contagiante, entendeu? Então, sim. Eu acho que da felicidade, tipo, muito, sim. Tô feliz hoje, amanhã eu não tô. É verdade. Correto? Obrigada, meu amigo. Fala inglês, português, francês, norvegiano, tudo. É difícil fazer devagar, eu não consigo fazer devagar. Aham. Aí solta.